Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous essayez d'aller mieux malgré notre douleur, malgré ce grand deuil national là. Franchement, je prie pour toutes ces personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment endeuillées, vraiment, vraiment blessées, qui ne se retrouvent pas encore à l'instar de l'artiste de Bordoli Koufa. Oui, de Bordoli Koufa va vraiment moralement très, 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 très mal. Là, je peux vous le rassurer, il a vraiment, vraiment, vraiment pas la tête actuellement, il est tout dévasté, franchement. Voilà, il est vraiment, vraiment dévasté. Et je souhaiterais que vous priez pour lui. Voilà, vous priez pour qu'il il ait la force de revenir vraiment de plus belle, quoi, au devant de la scène. J'espère aussi que tous les Ivoiriens sont prêts pour cette grande date inoubliable du 30 août au stade Philosophe Boigny. Dès 10 h, en tout cas, que tout le monde vienne pour qu'on rende un vibrant hommage à Didier Arafat. Que tout le monde soit là. Artistes coupés décalés, fan de Didier Arafat, fan de tous les autres artistes. En tout cas, tout le monde doit être là. Voilà, on a besoin, besoin, besoin de votre présence. Mais aussi, il faut dire une vérité, c'est que dans cette vidéo-là, je veux parler d'un sujet très important. Voilà, nous ne sommes pas des enfants, donc apprenons à être responsables. C'est le cas à Ariel Chiné. Apparemment, il y a des rumeurs qui courent, comme quoi les Chinois ne désiraient pas le voir en prestation le jour de la messe artistique de la Tiji Jarafat qui se tiendra, comme je vous l'ai dit tantôt en début de vidéo, ce 30 août là. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès, à la base, je procède à des firmes. Voilà les amis, comme je disais, si je me prononce sur ce sujet là, c'est parce que ça vient même du dernier manager pas connu, la Tiji Jarafat, c'est-à-dire Anno Jaguar. J'ai vu une publication d'Anno Jaguar où Anno Jaguar disait que il ne va pas trahir la mémoire de son artiste, il ne va pas trahir la Chine et tout ça, de rester concentré. Parce que, en fait, le manager en question, c'est-à-dire Anno Jaguar, que je respecte au passage, a fait un screenshot de la publication d'un fan de l'artiste qui se plaignait comme quoi Ariel Chiné a décidé de quitter la Eurogang et même d'aller faire une prestation au Maroc au lieu d'aller soutenir son mentor au Bataclan, le sujet que vous connaissez déjà. Et c'est cette publication-là que Anno Jaguar a capturé et lancé ce message-là. Donc, ce que j'aimerais dire d'abord d'entrée de jeu, c'est que je comprends la colère de tous les Chinois. Je comprends même la colère même du manager en question. Mais je pense que ce n'est pas joli à voir. Je pense que ce n'est pas joli à voir. Parce que je me dis que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle vivre un deuil. Parce que quand tu es en deuil, franchement, il faut tout faire pour accorder le paradis à celui qui est parti. Si toi, qui dis avoir très mal, tu n'as pas le courage de pardonner à autrui, comment que tu voudrais, comment tu souhaiterais que Dieu, qui accueille ton être cher qui est parti, dans sa demeure? Vous comprenez pas ce que je veux dire? Je ne justifie pas tout le mal que la Tiji Jarafat a pu endurer, mais c'est l'essentiel de mon message, ça, en fait. Voilà, parce que je me dis que les fans dans l'euphorie peuvent faire certaines publications et tout, mais quand le manager même partage cela et envoie un message tel que ce message que je vous ai dit là, franchement, ça laisse à désirer. Parce que, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, actuellement, on n'a pas besoin de ça. Vous savez, moi, je n'ai pas envie d'insulter la mémoire de la Tiji Jarafat, mais une vérité est forte de reconnaître, c'est que Didier Arafat n'était pas parfait comme nous. Vous comprenez un peu? Bien qu'on connaisse l'histoire, bien que les Chinois lui donnent raison, vous connaissez pas le fond de l'histoire. Ariel Chiné, qui est sa formation, qui a passé beaucoup de moments avec la Tiji Arafat, est autant peiné que vous. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il est autant peiné que vous. Donc, je pense que c'est son premier droit même, je dirais, de venir rendre un vibrant hommage à son mentor qui est parti trop tôt. Voilà, ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Voilà, parce que pour être franc et juste, je veux pas que ce genre d'agissement ou bien ce genre de propos-là salisse la mémoire de l'artiste. Parce que vous-même, vous savez très bien que l'artiste aussi a souvent blessé, peut-être intentionnellement ou bien de manière involontaire, son entourage. Mais si vous avez bien remarqué, depuis sa mort, c'est tout le monde qui est en train de le pleurer parce que nous l'aimons sérieusement. Voilà, comme je dis tantôt dans mes propos, c'est pas parce que tu dis la vérité à quelqu'un que tu apprécies beaucoup, que tu es son ennemi. Ça, sûrement, je pense que ceux qui pensent que c'est le cas, moi j'appelle ça une mentalité africaine parce que, bien au contraire, ça n'a rien à voir. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis
des choses pour qu'il s'améliore. C'est dans ce sens que certaines personnes, on va dire aussi volontairement, même n'aimaient pas l'artiste, le détestaient. Mais les personnes comme nous, franchement, on aimait l'artiste. On aimait vraiment l'artiste. C'est pourquoi on essayait de le conseiller un tant soit peu avec nos vidéos. Bref. Donc, dire que vous ne voulez pas voir Ariel Chiné chanter avec la Yolong Gang le jour de sa prestation, c'est votre droit. Mais en même temps, il a ce droit-là aussi, parce qu'il a fait partie de la Yolong Gang. Il a fait partie de la Yolong Gang. Voilà. Et on parlait de Yolong Gang quand l'artiste existait. Voilà. C'est ça la vérité, en fait. Donc, ça sert à rien de vouloir créer des histoires inutiles, de vouloir créer des discords. Comme quoi, vous ne voulez pas qu'Ariel Chiné preste aux côtés de la Yorogang. Le petit, il a son staff. Il a ses musiciens. Mais, ce que moi, je ne veux pas, c'est d'interdire Ariel Chiné de prester à chose, on va dire, aux obsèques de son mentor. Ça, c'est inadmissible parce que je sais que nous ne sommes pas des enfants. On a tous mal, on est tous en colère, mais souvent, il faut souvent faire la part des choses. Vous n'êtes pas prêt à pardonner. Comment vous voulez que l'âme de votre artiste repose en paix? Comment vous voulez que Dieu lui accorde le paradis? Comment vous voulez que Dieu lui accorde le pardon de ses péchés? Réfléchissez un peu, les amis. On n'a pas besoin d'être toujours radical, en fait. On n'a pas besoin de ça. Ariel Chiné a aussi mal comme toi et moi. Il n'est pas responsable de la mort de notre héritier, Didier Arafat. Lui seul sait ce qu'il endure. C'est un peu ça le cas de Bordeaux. Vous voyez plus de Bordeaux. D'autres diront tant mieux parce qu'ils sont contents, ils n'aiment pas voir la tête de l'artiste. Mais en même temps, ces derniers-là ont dit beaucoup de choses. Ils souffrent énormément. Moi, je dis toujours que vous, vous n'avez pas dit nous, vous êtes que des fanatiques. Vous n'avez pas côtoyé l'artiste. Donc ne comparez pas votre douleur aux douleurs des personnes qui l'ont côtoyé. Même quand ton ennemi meurt, que tu as un peu de cœur, ça te fait un peu mal. À plus forte raison, quelqu'un avec qui tu as partagé beaucoup de choses. Si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous demander de mettre un peu d'eau dans votre vin. Calmez un peu les ardeurs. Je comprends votre colère, mais ce n'est pas le moment. Si Ariel Chiné a envie de rendre un hommage à son mentor, vous n'avez pas le droit de l'empêcher. Donc, j'espère que mon message a été bien perçu parce que ce n'est pas intéressant de voir ce genre de choses-là. Ce n'est vraiment, vraiment pas intéressant. Ariel Chiné a très mal. Il souffre beaucoup. Voilà. Est-ce que vous ne savez pas? L'artiste vous a montré plusieurs fois ici que il a bon cœur. Il a beau se fâcher, mais lorsqu'on lui demande pardon, il laisse tout tomber. Donc apprenez à pardonner aussi. Apprenez à pardonner aussi. Arrêtez vos discours guerriers, vos discours radicaux. Ça ne sert à rien. Ça n'arrange même pas l'âme de l'artiste. Arrêtez d'accuser tout et n'importe qui. Je vous demande pardon. On n'a qu'à pleurer notre artiste jusqu'à ce qu'on l'enterre. Mais c'est lui-là. On ne veut pas avoir lui-là. On ne veut pas avoir. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est ce que je dis souvent avec les personnes qui injurient sa maman. Vous les jurez, d'accord, c'est votre droit. Mais ne comparez pas votre douleur là à la douleur de la dame. Quels que soient ses défauts, vous ne pouvez pas avoir mal qu'elle. Quelle que soit son inconscience, elle a plus mal que vous. Mais c'est sa progéniture qui est partie. C'est une partie d'elle qui est partie. Vous voyez un peu, non? Donc, arrêtez un peu de vous jouer au super fan. Ce qu'on vous demande actuellement, là, c'est de soutenir les enfants de l'artiste. Depuis combien de jours? 241 000, je crois. Ce qu'on vous demande, là, c'est de payer l'album de l'artiste. Et puis, c'est comme si, dans les commentaires, pour vous justifier, vous dites que vous ne pouvez pas donner l'argent, mais vous avez payé son album. Donc vous attendez qu'il meure d'abord, avant de payer son album, pour qu'il ait son disque d'or. Soyons un peu sérieux, les amis. Essayons d'être un peu sérieux. Parce que je sens trop d'hypocrisie dans l'air. Ariel Chiné n'a rien fait. Ariel Chiné n'est pas responsable de la disparition de l'artiste Didier Arafat. Laissez le petit en paix, vivre son deuil, comme il peut. Il est d'abord fan de Didier Arafat avant de devenir Ariel Chiné. Il est autant chinois comme vous. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il est chinois d'abord avant de devenir Ariel Chiné. Dans le droit que vous, sur lequel vous asseyez pour dire que celui-là va prester, celui-là ne va pas prester là. Il a le même droit là que vous. Et en plus, il est artiste. Donc calmons-nous.
On n'a pas besoin de ça actuellement. On n'a vraiment, vraiment, vraiment pas besoin de ça. Et j'espère que Ado Jawa aussi, tu as compris le message. Faut pas soutenir tout et n'importe quoi. Voilà, parce que après Didier Arafat, la musique ivoirienne va continuer. Et c'est pas en laissant des querelles, en laissant des palabres que ça va arranger les choses. Bien au contraire, la mort de l'artiste doit nous donner des leçons. On doit s'aimer, on doit se réconcilier. Voilà, c'est ça le message de la mort de l'artiste Didier Arafat. C'est pas de venir créer des camps et créer des palabres inutiles. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, sur ce, je pense que j'ai pas été trop long. C'est ce que j'avais à dire. Laissez Ariel chiner, faire ce qu'il a envie de faire comme hommage pour l'artiste. S'il veut chanter la Yoronga, que la Yoronga est d'accord, qu'il chante. S'il veut presser seul, qu'il presse seul. Mais il a ce droit-là comme vous. Merci.